Les années 1980, les années 1980, toute une histoire, tout un monde, tout un univers, toute une civilisation quasiment, puisque il n'en reste pas grand-chose, heureusement, puisqu'on y trouvait le meilleur comme le pire, y compris toute cette génération d'abrutis qui sont désormais vos parents, nous. Fallait que ça arrive. Et donc, nous on a été élevés aux jeux vidéo agro-pixel, à ces bornes qui se cherchaient et ces gameplays quasi inexistants qui se faisaient par le hasard de la création la plupart du temps, bien davantage que par des tests de laboratoire. Et donc, on s'est tapé toute une ribambelle de shooters en particulier qui sont restés quand même très frileux et sont contentés de recopier ce qui marchait chez l'autre. Donc, 79, enfin 78 pour être précis, on a eu Space Invader, et ça c'était le hit interplanétaire, quoi. Ce jour-là, on a découvert qu'on pouvait vraiment rentrer de la caillasse dans une borne, si on rendait le jeu intéressant, quand même assez difficile pour que le gars perde, et avec un petit peu de challenge pour l'amener à remettre un peu des pièces. Sur ce chemin-là, se sont engouffrés avec malhonnêteté noire de copieurs, mais aussi d'autres boîtes de renom, y compris Sega. Donc il n'y a aucune raison que quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1980, il me semble, c'est ça, en 79 aussi, une petite boîte qui fabriquait des cartes de jeu, et là vous me voyez venir, vienne glisser son petit mot. Oui, ça ne suffisait pas, il leur fallait à eux aussi leur Space Machin. Est-ce que la version Nintendo... Enfin, la vue qu'avait Nintendo sur les Space Invaders était mieux que celle des autres. On va le savoir tout de suite après un flash info de l'Elysée. Non, c'est annulé le flash info? C'est vrai qu'il y a que ceux qui disent mieux vaut qu'ils se taisent. C'est ce qu'ils ont vraiment de mieux à faire, je pense. Donc voilà l'animal. Ah oui, ça en jette, hein. Donc je pense que Nintendo a le parti pris totalement osé d'innover, c'est-à-dire mettre trois vies, des extraterrestres qui défilent de gauche à droite et des bunkers en bas. Et sans même le toucher, je peux par avance, je le sens d'ailleurs, c'est dans ses vibes, vous dire que je ne peux pas envoyer un second tir tant que mon premier n'a rien atteint ou n'est pas sorti de l'écran. Vous me l'achetez? C'est parti. Oh là, on peut choisir le jeu. C'est là que je vais pas trouver le bouton pour choisir et ça va être super pas drôle. Ça n'est super pas drôle. Je veux la dague. S'il vous plaît. Oui, quand je suis désespéré, je fais Eddie Murphy dans Golden Child. Ça arrive très souvent. Oh vache. J'avais pas prévu ça. Ça, vous pouvez le compter comme méga fail. Je vous l'accorde facilement parce que c'en est un. Et il est conséquent, et comment ça se fait que j'ai pas un putain de bouton pour choisir mon tavernier? Cet appareil vient de me manger ma pièce et je peux même pas démarrer la partie. Je demande le remboursement sans délai. J'ai failli me prendre une bouteille. Bon, ok. N'empêche, ça n'est pas très normal. Tan. Je sais pas quelle touche a démarré le truc, mais c'est génial. Et regardez-moi ces extraterrestres super menaçants, dont certains qui ont très très chaud sous les bras, et donc ils se baladent comme ça en s'aérant sous les aisselles. C'est mignon. Petit détail rigolo, si vous faites attention, ça fait partie de ces jeux qui étaient sur des écrans en noir et blanc. Hein. On voulait pas gratter un moniteur couleur pour votre saloperie de jeu qui va esquinter l'écran. Oui, parce que la grosse légende à l'époque en plus c'était si tu laisses trop longtemps ton jeu, ça va tout abîmer l'écran, on va voir des traces dessus. Ce qui n'était pas totalement faux. Oui, il y avait moyen de brûler les CRT, mais il fallait laisser une image statique un bon moment dessus. Hein. Genre les logos que plus tard les chaînes de télé ont imposés à tout le monde alors qu'on n'avait rien demandé. On leur demande pas si aujourd'hui ça scanne pas les téloches. Pourtant. Comment ça, je vous mets la puce à l'oreille? Oui, un peu de complotisme dans les streams de Biggie Mosky, ça fera pas de mal, hein, y en a marre. Et je pense que Defecator me contredira pas, de toute façon. Hein, Defecator, j'ai totalement raison. Parole de bouteille de chartreuse. Ah, ah, je sais tout sur toi. Mais je m'éloigne du sujet.
Crack. Est-ce qu'il est mieux que l'original? Bah en fait non, il est pas mieux, il est pas pire, il est pareil quoi, on va dire ce qui est. Et donc on se retrouve avec notre moniteur noir et blanc avec ses bandes en couleur translucide pour faire croire que le moniteur est en couleur. Et une repompe de Space Invader qui est exactement pareil, à part qu'on va dire, allez, le Pew, il est plus mignon. Vous me l'achetez? Voilà, le Pew est plus mignon. Et pour le reste, c'est kiff-kiff. Donc, ce jeu serait paru dans nos années. Ce serait le combat de l'année au niveau copyright. Même Apple, ça ferait rigoler en comparé, quoi. À qui? À Paul. Oh, le son monte en gamme, regardez-moi ça. Peut-être faire une grosse mélodie à la fin. En fait, c'est Rez avant l'heure. J'exagère un poil. Non, pas du tout, jamais. Aucune exagération dans TBG, vous le savez bien. Les faits, les faits, les faits. Et des orques, des fois. Pas que des faits. Mais il me gonfle ce truc. J'en avais marre. Pauvre lâche d'extraterrestre. 2 contre 1, ouais c'est ça, bande de dégueulasse. Ouais. Voilà. On va pas aller plus loin, je crois que c'est parfaitement inutile. 1979, toutes les grosses boîtes avaient leur propre Space Invader. Et chez Nintendo, ils pouvaient être fiers, ils pouvaient être contents d'avoir ce Space Fever qui, effectivement, arrivé au dernier bonhomme, te mettait carrément la fièvre, comme on pouvait l'avoir dans les jeux des autres. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. Je vous laisse avec les streams habituels, ce n'est pas la peine de s'étaler plus sur ce clone. La playlist courante, celle des shmups, et vous n'avez pas de stream bonus aujourd'hui. Voilà, je suis méchant. Ce jeu m'a un peu contrarié, malgré ce design de visuel quand même qui est très Star Trek. Hein.